Les étoiles. Ces points étincelants qui nous font parfois lever les yeux et pendant un instant nous déconnectent totalement du monde. Au sens premier, on parle d'étoile pour désigner un point brillant dans le ciel nocturne. En astronomie, une étoile est une gigantesque boule de plasma extrêmement massive et à la température extrêmement élevée, pouvant dépasser les 20 000 degrés à leur surface. Dans notre système solaire, notre étoile se nomme Soleil. Égyptiens, Mayas et beaucoup d'autres civilisations en ont fait une divinité. Et il est vrai que les étoiles ont en effet tout pour s'approcher de ce titre. Alors ce qui est assez marrant avec les étoiles, c'est que depuis que l'humanité existe, on va dire, on a toujours placé ces astres comme des entités divines qui sont très vertueuses, qui nous procurent des bienfaits. Et oui, c'est un peu le cas parce que quand le soleil se lève par exemple, eh bien, on reçoit à la fois de la lumière mais aussi de la chaleur. Et c'est marrant parce qu'encore aujourd'hui, on peut renforcer cette image, mais avec des arguments scientifiques. On sait maintenant que les étoiles produisent les éléments, et c'est vrai que sans les éléments chimiques qui ont été produits par les étoiles, eh bien on ne serait pas là. Notre monde autour de nous ne serait pas là non plus. Et donc on sait qu'aujourd'hui, on a plein d'éléments sur Terre, on a des éléments très lourds aussi, on a de l'uranium, on a du plomb, on a du fer, on a tout ça. Et on peut être sûr que ces éléments proviennent en fait d'une génération d'étoiles, proviennent d'étoiles qui sont mortes pour nous finalement, précédemment, avant, il y a sûrement des milliards d'années. Et donc du coup, ça met vraiment en valeur cette idée que les étoiles sont assez essentielles pour que les planètes puissent se former évidemment, mais aussi pour que les êtres vivants soient là, soient présents aujourd'hui. D'où la citation qui vient de Hubert Reeves, il me le semble, qui dit que nous ne sommes que poussière d'étoiles, et qui est en fait quelque chose qui est scientifiquement vrai en fait. On n'est que finalement des résidus de la mort des étoiles, enfin, et aussi de leur vie évidemment, puisque c'est pendant leur vie qu'elles ont créé les éléments jusqu'au fer. Et aussi il a fallu qu'elles meurent pour évidemment produire les autres éléments et nous permettre d'être ici aujourd'hui. Le Soleil, cet objet qui a permis, combiné à beaucoup d'autres éléments, l'apparition de la vie. Malgré son diamètre de quasiment 1 400 000 km, le Soleil est une étoile assez modeste parmi toutes celles présentes dans notre galaxie. Et il existe des milliards de galaxies contenant chacune des milliards d'étoiles. Tant de possibilités. Et pourtant, elles auraient au moins une chose en commun. Elles ont un cycle de vie, appelé dans leur cas évolution stellaire. Elles naissent, grandissent, évoluent et meurent. Mais comment naissent ces étoiles? Ces objets célestes plasmatiques dont la force de gravité est telle qu'elles arrivent à faire tourner les planètes autour d'elles. Les grandes lignes de la formation d'une étoile sont connues, mais lorsqu'on cherche à entrer dans les détails, cela dépasse parfois notre compréhension. Pour voir une étoile naître, il faut tourner son regard vers une nébuleuse. Ces nuages interstellaires composés de gaz et de poussière et à la beauté indéniable. Lorsqu'un de ces nuages interstellaires se contracte sous l'effet de la gravitation, plusieurs centaines d'étoiles se forment alors, à condition que ces nuages de poussière et de molécules, que sont les nébuleuses, aient une masse suffisante pour pouvoir s'effondrer. Tout cela va dépendre de la densité et de la température de ce nuage. Le plus souvent, quand il se condense, il se fragmente en plusieurs zones, plus denses et plus chaudes, ce qui permet la formation de centaines d'étoiles à partir d'un seul nuage interstellaire.
Lorsque les proto-étoiles formées dans ces nuages deviennent suffisamment compactes et denses, la pression cumulée au cœur de celles-ci déclenche les premières réactions de fusion. Lorsque la température de l'hydrogène atteint plusieurs dizaines de millions de degrés, ces atomes d'hydrogène peuvent fusionner entre eux pour donner des atomes d'hélium, tout en libérant une énergie très importante. Une étoile naît alors, laissant un peu de matière gravitant autour d'elle, ce qui formera plus tard des planètes. On peut s'intéresser à la naissance des étoiles ou à leur mort, mais moi ce qui me plaît le plus, c'est plutôt la vie des étoiles. Alors comment vivent les étoiles finalement? D'abord, elles ont besoin d'un carburant qu'on appelle l'hydrogène. Pour rappel, l'hydrogène, c'est l'élément le plus petit, le premier élément du tableau de classification périodique des éléments. Et cet élément-là, les étoiles vont utiliser les noyaux d'hydrogène, vont fusionner l'hydrogène pour former de l'hélium. Ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Au cours de sa vie, une étoile va passer par plusieurs phases. Le diagramme de Hertzsprung-Russell, souvent abrégé diagramme HR, permet de visualiser cette évolution. Inventé autour de 1910 par Einar Hertzsprung, astronome danois, et Henry Norris Russell, astronome américain, ce diagramme permet de classer les étoiles selon leur magnitude absolue et leur température. Le diagramme représente soit la luminosité en fonction de la température, soit la magnitude absolue en fonction de l'indice de couleur. La luminosité est en ordonnée, le plus brillant se trouvant en haut, et la température en abscisse, le plus chaud se trouvant à gauche. Actuellement, la plupart des étoiles sont classées dans ce que l'on appelle la séquence principale. C'est dans cette séquence qu'elles passent 90% de leur vie, n'évoluant alors que très peu. Leur durée de vie, leur taille, est bien sûr variable. Plus une étoile sera massive, plus elle brûlera son carburant rapidement, et ne vivra donc que quelques millions d'années, alors que les étoiles les plus petites peuvent vivre des centaines de milliards d'années. Notre Soleil, par exemple, est considéré comme une naine jaune, et sa durée de vie serait d'approximativement 10 milliards d'années. Une étoile modeste, comparée à Antares ou encore Bételgeuse, qui ont des diamètres des centaines de fois supérieurs. L'une des étoiles les plus massives que nous connaissons est Eta Carinae, dont la masse est estimée entre 100 et 150 fois celle du Soleil. Nous supposons que la limite actuelle de la taille d'une étoile est de 150 masses solaires, car au-delà de cette limite, elle serait soufflée dans l'espace par son propre rayonnement. Cependant, toutes les premières étoiles qui se seraient formées après le Big Bang auraient probablement dépassé les 300 masses solaires, en raison de l'absence totale de métaux lourds dans leur composition. Mais d'ailleurs, de quoi sont composées et comment sont structurées les étoiles? Pendant toute sa vie, l'étoile ne va pas s'arrêter là, en fait, elle va continuer de créer les autres éléments du tableau périodique. Alors, pas tous les éléments pendant sa vie, mais uniquement les éléments jusqu'au fer, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que la structure d'une étoile ressemble plutôt à la structure d'un oignon. Bon, ça c'est pas un oignon, c'est une tomate, mais imaginez que c'est un oignon. À l'intérieur de cet oignon, en fait, vous avez une répartition par couche. Et lorsque vous êtes dans les couches supérieures, en fait, vous avez les éléments les plus légers, donc surtout l'hydrogène et de l'hélium. Et plus vous vous enfoncez à l'intérieur de l'étoile, et plus vous allez pouvoir synthétiser, pouvoir créer des éléments lourds. Et justement, cette création d'éléments lourds s'appelle la nucléosynthèse stellaire. Bon, c'est un mot un peu barbare, mais qui veut simplement dire que nucléo, c'est les noyaux, c'est le noyau des atomes. Nucléosynthèse, c'est la synthèse, c'est la création. Et stellaire, parce que c'est relatif à la vie de l'étoile. Les étoiles sont donc des objets célestes d'une complexité chimique impressionnante. Et il en existe différents types, qui ne sont classés par les astronomes qu'en naines ou en géantes. Par ordre croissant en termes de taille, nous allons d'abord parler des naines rouges. Ce sont les plus abondantes de notre galaxie. 80% des étoiles de la Voie lactée sont des naines rouges. Leur taille varie entre 0,08 et 0,8 masses solaires. Elles brûlent donc leur carburant très lentement, ce qui leur assure une durée de vie extrêmement longue. Proxima Centauri, située à plus de 4 années-lumière de nous, et qui est l'étoile la plus proche de notre système solaire, est une naine rouge. Leur température de surface peut varier entre 2500 et 5000 Kelvin. C'est ce qui leur donne cette couleur rouge.
Viennent ensuite les naines jaunes, comme notre étoile, le Soleil. Leur température de surface est en moyenne de 6000 Kelvin, et elles brillent d'un jaune vif. Elles finissent par devenir des géantes rouges et finiront plus tard par devenir des naines blanches, tout en créant une nébuleuse planète Terre. Une géante rouge. Elle annonce la fin de vie d'une étoile. Une étoile atteint ce stade lorsque son noyau a épuisé son carburant principal qu'est l'hydrogène. Son noyau se contracte sous l'effet de la gravitation interne, alors que dans la couche externe, l'énergie dégagée par les autres éléments rentrant en fusion la font gonfler. Quand tout est finalement épuisé, les couches externes sont alors évacuées et le centre se contracte, ce qui dévoile au final une naine blanche. Au-delà d'un certain seuil de luminosité, les étoiles se voient attribuer des noms différents. Étoiles géantes, géantes lumineuses, supergéantes ou encore hypergéantes. Par exemple, les géantes bleues, très brillantes, très chaudes et très massives, ayant une masse d'en moyenne plus de 18 masses solaires. Ces étoiles sont aussi des étoiles en fin de vie, fabriquant des éléments de plus en plus lourds, comme le titane, le chrome ou encore le cobalt, qui finalement explosera à une supernova qui laissera derrière elle son cadavre sous la forme d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir en fonction de sa masse. Il existe d'autres types d'étoiles, comme les étoiles variables ou encore les étoiles Wolf-Rayet. Celles-ci sont des étoiles très massives qui expulsent une très grande quantité de matière avant de finir, comme beaucoup, en supernova. La mort des étoiles. Que se passe-t-il quand celles-ci arrivent à la fin de leur cycle? Eh bien, encore une fois, tout va dépendre de la taille de l'étoile. Les étoiles de taille 8 à 10 fois inférieure à celle du Soleil finiront leur vie sous forme de naines blanches, et puis finalement, une naine noire lorsqu'elles n'émettront plus de lumière. À ne pas confondre avec des naines brunes, aussi appelées étoiles ratées, qui sont des objets substellaires dont la masse n'a pas été suffisante pour entraîner des fusions thermonucléaires propres aux étoiles. Une naine blanche d'un rayon de 7000 km aurait une densité de matière d'une tonne par centimètre cube. Ce serait donc un objet extrêmement dense. Si une étoile en fin de vie fait partie d'un système binaire, système à deux étoiles, elle arracherait du gaz à son étoile voisine, ce qui ferait donc augmenter sa masse jusqu'à l'explosion, créant alors un morceau de supernova. Pour les étoiles les plus massives, dépassant les 10 masses solaires, elles explosent finalement, donnant ainsi elles aussi des supernovas. Mais avant cela, elles auront eu le temps de synthétiser des éléments chimiques lourds. Un autre événement très important à prendre en compte en ce qui concerne les éléments, c'est la mort d'une étoile. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la mort d'une étoile? Eh bien, en général, on a une sorte d'explosion, on va dire une explosion qui génère une énergie assez intense, et cette énergie va justement permettre de délivrer tous les éléments qui étaient contenus à l'intérieur de l'étoile, donc tous les éléments de l'hydrogène jusqu'au fer. Mais en plus de délivrer ces éléments dans le milieu interstellaire, en fait, l'étoile va pouvoir également créer, disons, la mort de l'étoile va générer de nouveaux éléments dont les masses seront supérieures à celles du fer. Donc on va pouvoir créer en particulier du cobalt, du nickel, du cuivre, etc., etc. Et en général, jusqu'aux éléments les plus lourds qu'on trouve naturellement, c'est l'uranium. Les étoiles sont donc des astres complexes, vivants et ayant, comme nous, un cycle de vie. Et si l'être humain et toutes les formes de vie naturelles possibles sur Terre ont pu apparaître, c'est bien grâce à une étoile, le Soleil. Notre étoile. Nous l'étudions en permanence grâce à des observatoires ou encore à des sondes. Les télescopes, en captant la lumière et la couleur des étoiles, et notamment dans notre cas celle du Soleil, nous donneront des éléments pour comprendre le fonctionnement de ces objets célestes. En attendant d'en savoir toujours plus, nous ne pouvons que contempler ces magnifiques objets célestes que sont les étoiles, qui permettent à la vie d'apparaître dans notre système solaire et peut-être aussi dans d'autres. We'll be right back.